Alors les amis, je viens de poster sur ma page Facebook ce petit leak en tone blocking sur un harmonica accordéon là. J'ai un crossover dans la main. Donc je vais vous le jouer vitesse normale et puis je vais vous expliquer un petit peu comment le jouer si vous débutez avec le tone blocking. Donc d'abord vitesse normale. Maintenant, on va le ralentir. Donc, vous avez vu, on inspire le 1 et le 2 à la fois, en même temps. Ok. Et ensuite, on n'a que le 2. Donc, pour avoir cette solution-là avec le tone blocking, la seule solution, c'est une fois qu'on inspire le 1 et 2 comme ça, j'ai 1 et 2 en même temps, c'est de mettre la langue complètement à gauche, à la fois sur la butée, le bois, et à la fois sur le trou numéro 1. Et de le placer très vite, pour n'entendre que le 2. J'ai 1 et 2. Je place ma langue très rapidement sur le trou numéro 1, mais en m'appuyant un petit peu sur la butée, ça me donne un petit repère, la butée qui est ici. Hein. Et après, j'enlève la langue pour aspirer 1 et 2, je la remets pour faire que le 2, j'enlève, je remets, je fais que ça, quoi, en fait. 3 fois de suite. Après, on souffle 1 et 2, et on refait avec le 1 et 2 aspiré, et le 2 tout seul ensuite. En fait, c'est que ça. 3 fois de suite. Et la troisième fois, une fois qu'on a soufflé le 1 et 2, bon, on fait une seule fois le vamping, le tone blocking sur le moins 1, moins 2, et on isole le moins 2. Donc le plus dur dans ce riff-là, en fait, c'est simplement de vous entraîner pour qu'on entende uniquement ça. Vous entendez la note toute seule isolée? Parce que j'ai placé ma langue, hop, directement sur la... Je cible en fait ici la butée, le bois, et je plaque ma langue ici. Donc je mets ma langue, la pointe de ma langue sous l'harmonica et j'écrase ma langue pour plus ou moins fort, pour justement boucher plus ou moins de trous. C'est un petit peu délicat au début, mais en vous entraînant tout doucement, en cherchant... Oui. Au début vous risquez de faire ça. Hein. Et là il n'y a plus de son qui sort parce que vous plaquez la langue trop fort, et il faut l'écraser un peu à gauche et non pas à droite. Qu'on entende bien le 2. Alors faites-le plus doucement pour entendre, essayez de prolonger le 2 aspiré. Et comme ça, si vous ne faites pas le 2 aspiré très clair, vous aurez tout le temps de changer la position de la langue pour trouver le 2 aspiré. Si je fais ça, pardon, là j'ai pas le 2 tout seul, hop, je cherche avec la langue. Sur la longueur du temps qui s'écoule, je trouve le 2 aspiré. Alors bien sûr, c'est un petit peu d'entraînement, hein, ça va pas venir tout de suite. Mais essayez bien de plaquer, donc pas le bout de la langue sur l'harmonica, mais le bout de la langue vous mettez sous l'harmonica, et vous appuyez la langue, hop, sur les trous, pour plus ou moins fort en fait, hein, pour boucher, plus ou moins de trous. Voilà, ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que ça vous amusera. Un petit tone blocking, c'est les premiers pas du tone blocking, ça, hein, sur l'harmonica accordéon là. Amusez-vous bien, bye.